On n'avait pas dit classic rock 70s? Bah non, on avait dit Britpop 90s. Pff, bon bah c'est pas grave, on va faire un mix des deux. Salut à tous, je suis Raph. Je suis Dev. Et nous sommes chez Guitaratique, le grenier à guitare. Alors ce week-end, je suis encore parti en vadrouille. Encore? Eh ouais, encore. David est un vrai globe-trotteur. Ouais, à fond. Et du coup, je suis parti à Prague. C'est un endroit que j'avais vraiment envie de découvrir. Alors, je vous avoue, surtout pour ces brasseries. Et là, du coup, bah, je vais dans l'une des plus réputées de Prague. J'arrive, voilà. Et là, je suis stupéfait. Je vois une Epiphone Les Paul accrochée au mur, mais qui attire un peu mon œil. Les boutons étaient de couleurs différentes. Une table très claire, jaune. Enfin, voilà, il y avait un truc qui m'interpellait. J'en parle au patron, je lui pose 2-3 questions sur cette Epiphone, et là, il me sort que c'est une Epiphone tchèque. Alors forcément, je lui dis, bah non, mais moi, on me la fait pas, je connais l'histoire d'Epiphone. Et en fait, il me dit, bah pas de souci, j'appelle mon meilleur pote Piet Vikidal. Le gars arrive, et là, il me dit, c'est moi qui les ai produites en 1997. Mais vous allez en savoir plus dans quelques instants. Alors, la dernière fois, on vous a présenté 2 Epiphone vintage des années 60, ouais. Donc issus de l'âge d'or d'Epiphone. Mais à la fin des années 60, les choses vont se compliquer un petit peu. Déjà, Ted McCarthy, le président de Gibson, va quitter l'entreprise en 1966. 66, ok, oui. Alors, je crois que c'est à ce moment-là, justement, qu'il rachète la société Bixby Accessories. Je crois que c'est ça. Ouais. Vous, si vous ne savez pas ce qu'est un Bixby, on vous laisse vérifier sur Internet. Et donc, on assiste en fait à l'arrivée de nouveaux concurrents dans le marché de la guitare, ouais, qui sont venus du Japon et qui proposent des guitares moins chères, alors moins qualitatives aussi, mais beaucoup plus accessibles. Ouais, plus accessibles, des modèles plutôt assez solides, costauds quand même. Voilà, qui font quand même le taf. Qui font bien le taf, ouais. Et qui commencent à prendre une grosse part, ouais, de marché aux grandes marques américaines. Ouais. Ça commence à faire mal. Donc, l'entreprise Gibson est revendue en 1969 à ECL. Oui, ECL d'ailleurs, pour la petite histoire, qui était une entreprise qui fabriquait de la bière. C'est ça. Donc, équatorienne d'ailleurs, je crois. Équatorienne, c'est ça, exactement. Après quelques mois, la société ECL décide de rebaptiser son entreprise Norlin. Donc cette période s'écoule de fin 69 jusqu'aux années 86. Alors l'optique est claire, hein, pour Norlin, on n'est plus du tout dans le qualitatif d'avant. D'accord, ils cherchent surtout une productivité, du rendement. Hein, du volume. Du volume. Ça me fait un peu penser à CBS avec Fender. Complètement, Raph. C'est ça, on est complètement dans la même optique. Juste un petit point quand même, toutes les Norlin ne sont pas mauvaises. Je pense que c'est toujours la même chose. Hein. Vous savez que nous, notre philosophie, pour savoir si la guitare est bonne, il faut l'essayer. Oui. Et d'ailleurs, très bientôt, vous aurez l'occasion de voir une Gibson de l'époque Norlin. Oui. Mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, c'est une surprise. Donc en 1970, Norlin décide de mettre en avant les Gibson. Oui. Et c'est la première fois qu'Epiphone est relégué au second rang. Donc en fait, l'idée qu'on a des Epiphone comme une sous-marque de Gibson, ça date exactement de cette époque. Ouais, je comprends bien.
Gibson décide de faire fabriquer ses Epiphone au Japon, à l'usine de Matsumoku, bien connue pour avoir fait beaucoup de copies durant les années 70. Des très bonnes copies. Souvent des très bonnes, souvent des moins bonnes. Ouais, voilà, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Et donc, on retrouve en fait les modèles des années 60, mais avec une qualité plus basse. Ouais. C'est-à-dire que les bois sont beaucoup moins nobles. Souvent, on retrouve les formes sont un peu modifiées par rapport aux modèles originaux. Ouais, légèrement, ok, ouais. Ce qui était des manches collées deviennent des manches vissées. Ah oui. Ouais. Donc en fait, voilà, l'économie se trouve vraiment dans la qualité des bois en fait employés. Et néanmoins, une qualité qui va s'améliorer en fait au fur et à mesure du temps, jusqu'à revenir à des modèles assez proches des originaux. Dans les années 80, on retrouve des casinos, des Riviera, des Sheraton. Ok, les gammes élitistes, c'est pas ça? Les élitistes étaient fabriqués dans les années 2000. Donc, c'était des instruments très haut de gamme, mais c'était pas la même usine. Et je crois qu'ils étaient fabriqués chez Terada, mais aussi chez Fujigen. Là où étaient fabriqués aussi les Orville et les Greco. Donc, les Epiphone reviennent sur le devant de la scène et on les voit aux mains d'artistes comme Paul Weller ou Noel Gallagher. Ça me rappelle un peu les Beatles. Oui, l'histoire se répète. Ah. Alors, en 1986, la société Gibson est revendue par Norlin à trois diplômés de Harvard. Donc, on a Henry Zuskevich, David Berryman et Gary Zubrowska. C'était pas Zebrowski? Ah si, oups. Alors, nos trois compères veulent relancer le prestige de la marque Gibson. Hein. C'est leur priorité, revenir à un super qualitatif. Mais ils s'aperçoivent aussi que Epiphone est un géant endormi. Pour eux, il y a encore énormément de choses à faire. Alors, vu que les coûts de production ont énormément augmenté au Japon, eh ben, ils décident en fait de délocaliser l'entreprise en Corée du Sud. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aussi décider d'élargir la gamme. En fait, voilà, donc ils vont creuser parce qu'ils rentrent en concurrence avec des marques comme Charvel et Kramer. Et donc, du coup, eh ben oui, ils sont obligés d'élargir la gamme. Avec ce genre de bizarrerie, par exemple. Tout à fait, Raph. Voilà, on est carrément dans l'optique. Là, on voit bien l'idéologie de la concurrence, hein, de toutes ces grades de shred. Donc, voilà, ils vont aller plus loin, puiser là-dedans pour vraiment redonner ces lettres de noblesse à Epiphone. Et qui, du coup, eh ben, en fait, ils ont pris le bon chemin parce que ça marche. La marque Epiphone est vraiment en train de retrouver, en quelque sorte, son âge d'or. Attendu, je vous présente cette magnifique Epiphone Bohemia, donc de République tchèque. Alors, comme je vous avais promis, je vais vous conter un petit peu l'histoire de cette entreprise. Ah oui, raconte-nous l'histoire. Donc du coup, l'entreprise a été créée en 1947 sous le nom d'Harmonica. Et en fait, à l'époque, ils produisaient essentiellement des accordéons et des harmonicas.
J'imagine pour tout le bloc de l'Est. Alors justement, pour la petite histoire, ouais. c'était sous contrôle d'État, mmh. l'entreprise, oui. et donc c'était vraiment dédié pour tout le bloc de l'Est, mmh. exactement. Et donc dans les années 80, pour la petite anecdote, l'entreprise produit des guitares pour US Kramer, donc une marque américaine, mais le partenariat va s'arrêter en fait en 91, quand Kramer va faire faillite. Mmh. Voilà. Donc ensuite, on va arriver dans les débuts des années 90. Donc là, on arrive en 93, c'est la chute du mur. Oui, et donc forcément, on s'en rappelle. Beaucoup de changements. Hein. Et donc du coup, en 93, la société va être privatisée. Et donc à l'époque, c'est donc Pietre Wikidal et des employés. Celui que tu as croisé à la Exactement. Brasserie. En fait, et avec des collègues à lui, ils vont décider en fait de racheter l'entreprise et de l'exploiter par eux-mêmes. Et donc là, oui. Et donc là, pour le coup, ils vont renommer de nouveau la société, donc Bohemia Musica Delicia. Donc en 95, la société va produire des instruments pour Honor, pour Spector, et ils vont commencer à être approchés en fait par Epiphone. Mmh. Donc voilà, où là, ils vont commencer à chercher en fait à créer un partenariat mmh. et relancer une gamme un petit peu plus haut de gamme ou plus qualitative. Que les coréennes. Que les coréennes, oui. Voilà. Et donc du coup, en fait, le début de la production va démarrer en 1997. Donc début d'année, d'après ce que j'ai lu, la production aurait démarré début avril 1997. Mmh. Et cette guitare est datée justement d'avril 1997. Et c'est bien la 258e produite. C'est beau. Alors, pour l'histoire, donc, le partenariat va s'étendre jusque dans les années 2000. Mmh. Et donc au démarrage, ils produisent uniquement des Les Paul. Et par la suite, ils vont élargir un petit peu la gamme en produisant aussi des SG et des Corina Explorer. Ça fait partie un peu de l'histoire méconnue et oubliée de la guitare. Alors, complètement. Là, je crois qu'on a ressorti un dossier poussiéreux. Oui, qui, je pense, n'a jamais été traité. Je pense. En tout cas, on espère. Oui, on espère. Faire un petit détail technique de la guitare, mais bon, je pense que vous connaissez tous un peu les profils des Les Paul. Hein. Ah, il y en a peut-être qui connaissent pas. Hein. Oui, il y en a peut-être qui connaissent pas, mais bon, dans les grandes lignes, en fait, on se retrouve avec un corps qui est plein, donc non chambered, comme c'est on ça. Dit. Hein. On peut s'apercevoir aussi, alors voilà, vraiment la différence vient déjà de l'épaisseur du corps. La Bohemia a un corps un peu plus épais. Oui. Qui rajoute pas mal de substance. Oui, ouais. Pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'en termes de substance, c'est peut-être une des guitares les plus puissantes que j'ai pu connaître. Ouais, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Les potards sont d'une couleur assez particulière. Oui, alors voilà, ça aussi c'est un point. J'ai rarement vu Gibson ou Epiphone utiliser des potards comme ça. Ils sont top, ils fonctionnent super bien, hyper agréable. Caractéristique des bohémiens, justement. Ouais, voilà, on ouais. est caractéristique des bohémiens. Les micros, alors, ne sont pas griffés Gibson, il y a un X, mais malgré tout, tout correspond. Oui. Donc, on serait sur des micros Epiphone, mais un peu plus haut de gamme aussi. En tout cas, c'est l'impression qu'on a au grenier. Ouais, alors, ce qui est absolument génial, c'est que c'est vraiment la première fois où j'ai le sentiment d'être aussi à l'aise en son clair, en son crunch et en disto, quoi. Les micros voilà, ont un spectre sonore génial. On peut vraiment aller sur plein de terrains différents. Oui, c'est ultra polyvalent. Pour ma part, c'est une guitare qui donne vraiment envie de faire des solos, de faire des leads, ouais. parce que le sustain est infini. Ouais. Et pour l'anecdote, quand on l'a reçu, j'ai dit à David, dans ma tête, une Les Paul, ça sonne exactement comme ça. Et je suis d'accord avec lui. Alors, pour la suite, on a un manche qui est long tenon. Mm-hmm. Hein.
Ça doit y jouer aussi dans ce longue gamme. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis voilà, et elle est griffée aussi, alors vous le verrez un peu mieux, mais elle est griffée donc en limited edition aussi, quoi. Mais on s'aperçoit que le bois est absolument magnifique, les vernis sont magnifiques, tout vraiment, c'est... Voilà. C'est vraiment une épiphone qui sort du lot, quoi. Je pense que les Tchèques savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Là on sent la maîtrise du travail bien fait. Bah, t'as remis ton Bob ? Bah oui, parce que Bob Marley. Donc en 2004, Epiphone, ça marche tellement bien qu'il décide d'ouvrir une usine en Chine, à Qingdao, pour être précis. Okay. Je ne sais pas exactement où ça se trouve. En Chine. Probablement. Et donc, en fait, c'est la première usine qui est entièrement dédiée à la fabrication d'Epiphone. Okay. Pendant 50 ans, depuis 1957, Epiphone était une marque un peu apatride, qui n'avait plus de siège. Là, pour le coup, depuis 2004, c'est très clair. Alors ici, on a un bel exemplaire, justement, qui sort de cette usine, puisque c'est une Les Paul spéciale de 2010, qui donc a été fabriquée dans l'usine de Qingdao, et en 2010, elle fait partie également des modèles en limited edition. Donc, pour être franc avec vous, on a fait des recherches, on a voulu savoir en fait pourquoi est-ce qu'elle était limited, et en fait, je pense qu'il y avait surtout une question de sélection des bois. Oui, alors souvent en fait, ce qui ressort, les limited editions, c'est ça, chez Epiphone, il y a une meilleure sélection des bois, des micros un petit peu plus qualitatifs, l'électronique un petit peu mieux aussi. Mm-hmm. Enfin voilà, on sent bien qu'il y a des efforts de fait sur ces modèles-là, et notamment, déjà rien que là, on voit... Avec des tuners Grover qui tiennent très bien l'accord, mais pour le coup, je pense aussi que notre théorie, c'est que c'était une limited edition parce que tout simplement en 2010... Oui. Il n'y avait pas d'autres modèles de spécial. Voilà, ouais. Donc en fait, c'était la seule. Série limitée. Voilà, ça serait une série limitée d'une Les Paul spéciale avec 2P90 plutôt que des PAF. Voilà. Voilà. Donc ici, on a donc 2P90 qui sonne du tonnerre avec un gros volume de sortie. Gros niveau de sortie. Bien hargneux, comme vous pourrez le voir dans les exemples sonores. On a pas un wraparound comme les premières, mais un tunomatique avec un cordier. C'est ça. Voilà, que efficace, méga, méga stable. Oui, oui. Voilà, classique, 4 potards, un petit switch, un manche en slim tapper, donc très, très, très confortable, qui glisse vraiment tout seul, qui est assez fin pour les petites mains comme les nôtres. C'est pratique. C'est assez pratique. Une touche assez jolie, et puis voilà, un son, une légèreté aussi. Ouais, alors très, légère. Très légère. Moi, ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est les finitions, parce que souvent, sur les épiphones chinoises, ce qui ressort aussi, c'est que souvent, les collages, il y a les bavures, le vernis n'est pas parfait partout et tout ça. Et là, franchement, pour l'avoir inspecté de près, les finitions sont quand même assez exemplaires. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, chez Gibson dans certaines années. Aussi, voilà. Donc, comme quoi... Voilà, les guitares, ça s'essaye. Mais il y a un nouvel élément dans le décor. Alors oui, même deux. Oui, je parle pas de la guitare. Ah oui, alors, je vous présente mon chien. Mon petit chien qui s'appelle Gibson. Me demandez pas pourquoi. Bon, allez. Alors, revenons. Donc là, le dernier modèle qu'on vous présente, donc c'est un modèle signature. Oui. Donc on est toujours chez Epiphone en Chine. Mm-hmm. C'est donc une guitare qui est récente, qui est de 2019. Voilà, donc qui s'appelle l'Epiphone Jared James Nichols, qui est un artiste américain qui est vraiment en train d'exploser, qui a un style de jeu très particulier. Il joue au doigt sans médiator, on va dire, il joue un esprit hard blues.
Si vous voyez ce que je veux dire un peu. Mais n'hésitez pas à aller voir des vidéos de lui. Il a un jeu vraiment particulier et hyper intéressant, hyper expressif. Et du coup, en fait, il a demandé à Epiphone de reproduire donc sa guitare fétiche. Il a acheté en fait une Gibson Les Paul Custom de 1955. Et Il a de la chance. oui, il a de la chance. Mais il a fait une modification. Eh oui, en fait, il a enlevé le micro-grave. Il a rajouté donc un P90 en aigu. Malheureux. En fait, il voulait faire un genre d'hybride entre une custom et une junior. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, sur ce modèle, en l'occurrence, on a un P90 Seymour Duncan. Donc voilà, on est quand même sur un très bon micro, hein, Oui. qui a un très bon niveau de sortie. On retrouve le wraparound. Alors, pour la petite histoire, on a aussi une petite plaque Bluesplower. Alors ça, c'est pour rappeler en fait les vieilles ES-335 des années 60 Oui. qui avaient des plaques comme ça où il y avait écrit « Custom Made Oui. ». Voilà. Et donc, il s'en est inspiré en fait Donc pour j'imagine que c'est remettre. un peu la philosophie du gars. Exactement. On est d'accord. Exactement. Donc là, on est… Donc voilà, la fameuse… Alors, c'est Blues Power, mais la guitare s'appelle la Old Glory. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à partir de 2021, il ressort un modèle signature qui, lui, est en gold et va s'appeler… Le Gold Glory. Je la préfère en noir, Ouais, moi personnellement. aussi, c'est très joli. C'est un noir mat du plus bel effet. Vraiment. Très, très belles incrustations. Les incrustations seraient très belles. Mais on reste un peu dans le profil d'une Les Paul Custom. Donc on retrouve en fait tout l'esprit de la finition. Oui. Alors, j'imagine que ça, c'est de l'ébène. Alors tout à fait. Oui. Ça colle en fait exactement. Même sur, voilà, Donc, sur plus, beaucoup l'Epiphone. plus foncé qu'une touche en Beaucoup plus foncé, ouais. palissandre, qui fait très classieux, en fait, hein. Ouais, carrément, Ouais. ouais. Carrément. Et ensuite, on a une petite chose assez sympathique. On a l'arrière de la tête qui est blanche avec la signature de l'artiste. Voilà. Donc, ça lui donne un côté très atypique, très original. Tous les Pour fans le coup, de. je viens de voir que les mécaniques étaient des chaleurs. Alors, Est-ce d'origine? non. Les mécaniques ont été changées en fait. Ok. Pour être franc, les anciennes mécaniques ne tenaient pas très bien l'accord. Et donc, voilà. En fait, l'ancien propriétaire a préféré faire ce petit upgrade. Et en fait, bah, il a bien fait parce que là, on n'a plus de soucis. Bien joué. Bien joué. On espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par les Les Paul, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et on revient bientôt avec un nouveau type de format. On vous en dit pas plus pour le moment. Surprise. Mais on tient encore à vous remercier pour tout votre soutien. N'hésitez pas à continuer à cliquer, à parler de nous, à partager. Et à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!